Mouna, c'est un taux. Mouna, c'est un taux. C'est quelqu'un qui vient du bord de mer. C'est quelqu'un qui aime le poisson. C'est quelqu'un qui adore les amandes. Enfin, je viens d'une ville où j'ai vécu mon enfance là-bas, donc je porte quelque chose avec moi. Puis après, j'ai voyagé, j'étais à Tunis comme étudiante, puis après, je suis allée au Japon, puis après, je suis venue en France. C'est normal que j'ai un tout. Je peux le matin, par exemple, manger et prendre un café et un croissant. L'après-midi, manger un plat tunisien avec du harissa. Et le soir, cuisiner un plat asiatique. Et ça, c'est un tout. Et la création aussi, c'est comme ça aussi. Le Japon, il m'a beaucoup influencée. Je suis arrivée à un âge, j'avais que 23 ans, 24 ans. Donc, le Japon, pour moi, c'est une grande ouverture. Hein. C'est une expérience humaine, c'est la langue, c'est aussi l'art. J'ai découvert l'art, les livres, les musées. Il n'y avait pas de musée en Tunisie. Surtout dans les années 90, il n'y avait pas ça. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'accès aux livres d'art. Et donc, je me rappelle la première fois où je suis allée dans un musée, je suis restée. En fait, tout le monde est sorti, tout le groupe, c'était des Européens la plupart. Ils sont sortis, ils ont fait l'expo en 3 heures. Moi, je suis restée une journée. Le Japon, pour moi, c'est une richesse énorme. J'ai appris la photographie et j'ai appris, je dirais, la façon comment je regarde. Je ne pouvais pas dire que là-bas, j'étais artiste. Je n'avais pas cette conscience-là. J'étais là, j'étais une étudiante pour moi. Je n'avais pas cette conscience, sérieusement. J'ai eu la chance de travailler avec Hosou Eko, quand même, c'est un grand photographe, et qui m'a beaucoup rassurée. C'est-à-dire, il a senti que j'ai quelque chose et que je pourrais aller plus loin. Ça, oui, je l'ai compris. Et donc, j'avais soif d'art, j'avais soif d'expérimenter, j'avais soif de la chambre noire, darkroom, j'avais soif de tout. J'étais dansée comme une éponge. C'est vrai que j'ai exposé même avant d'y aller au Japon. C'est grâce à ça, au fait, que j'ai eu la bourse au Japon, parce que j'ai exposé comme autodidacte. Il n'y avait pas d'école de photographie. Il n'y avait pas d'école et j'ai abordé la... Enfin, j'ai été autodidacte et j'ai appris la photo comme ça sur le tas. Et bon, il y avait des associations. En fait, le Tunisien, de cette façon, à partir du moment qu'il n'y a pas d'institution, le Tunisien s'organise autrement. L'absence des institutions, on s'organise. Donc, il y avait des associations, il y avait des manières. Et c'est comme ça que j'avais cette ouverture sur la photographie et le cinéma. C'est grâce à ça, c'est ça, grâce à cette ouverture, mais ce n'est pas institutionnel, ce n'est pas l'école, ce n'est pas à travers l'école que j'ai découvert ça. On a le musée de Bardot, on a un petit musée de la mairie, mais toutes les œuvres d'art achetées par le gouvernement, par le ministère de la Culture, ils étaient dans des dépôts où il y avait des rats. Ça veut dire combien en Tunisie on a d'artistes et le nombre. Donc, il n'y avait pas toute une politique. Donc, il y a des œuvres qui sont abîmées, mais qui datent et qui sont très importantes. Des peintres et des sculpteurs, des artistes vraiment très connus et très forts. Donc, maintenant, il y a cette politique-là, heureusement, finalement, de prendre toute cette réserve-là et de prendre soin, de créer des... toute une équipe de restauration et tout ça. On ne peut pas croire qu'on a toute cette richesse et on n'a pas de musée. En Tunisie, maintenant, les choses, y a plus d'écoles maintenant, il y a plus de galeries, il y a plus de... Surtout après la Révolution, en fait. Il y a des centres d'art qui ont été créés, mais ça reste toujours timide. Et c'est seulement Tunis. Après, il y a quelques événements qui se passent ailleurs, mais ça reste... timide. C'est pas comme Londres ou d'autres pays. Paris, ça reste toujours le centre. Donc tous les artistes, ils sont à l'est, ils sont pas à l'ouest. Moi, j'habite l'ouest. Donc la plupart, Montreuil, en fait, ils sont dans le 14e, ils sont dans des quartiers, enfin, Ivry, dans le quartier Est. Et donc, on a l'habitude d'y aller vers ces quartiers, vers ces zones-là, et qu'aller prendre les RER et aller de l'autre côté, ça devient compliqué chez les gens. En termes de kilomètres, entre Rueil-Malmaison, là où nous sommes, et la place de l'Étoile, 8 kilomètres seulement. Et bizarrement, la plupart des gens que j'ai eus dans mon atelier, je dirais qu'ils n'habitent pas Paris. C'est-à-dire, il habite un autre pays, je ne vais pas citer des nationalités, mais ils arrivent, ils font le tout, ils ne comptent pas parce que c'est dans leur tête, c'est dans Paris. J'ai une galerie à Londres, ils sont venus me chercher.
Ça fait maintenant depuis 2006 que je suis en France, à Paris, et que jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été exposée en tant que photographe ou artiste. Mona Karai, artiste, non. C'est-à-dire qu'il faut toujours un cadre, et ce cadre-là, ce n'est pas la thématique qui le définit. Malheureusement, c'est toujours soit parce qu'on est femme, soit parce qu'on est arabe, soit parce qu'on est africain, soit parce qu'on est les enfants de la révolution tunisienne. C'est le seul moyen d'être présente, d'être visible. On ne nous voit qu'à travers ça. Donc, la Villette, c'est l'exemple même. L'Institut du monde arabe où j'expose maintenant, c'est toujours aussi la photographie. À la limite, c'est la photographie du monde arabe. Ici, donc, ACA, c'est also known as Africa. Je suis représentée par une galerie londonienne qui montre mon travail ici comme africaine. D'ailleurs, on lui a posé la question, est-ce que Mona Karai est blanche ou noire aujourd'hui? Ça veut dire beaucoup de choses et ça m'inquiète. Mais ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Quand j'étais étudiante ici à Paris 1, je fais une thèse. Un jour, un prof m'a dit, où est votre tunisianité? Donc, on cherche la question de l'origine, elle est toujours importante ici, en France. Je pense parce qu'on est tunisien, en fait, parce qu'on est africain, parce qu'on est un pays colonisé. Donc, la question de la représentation, elle est très importante. Comment on nous regarde et comment nous, en tant que Tunisiens ou Africains ou pays colonisé, comment on veut que la France nous regarde? C'est un jeu pervers, en fait. Et la preuve, c'est que aussi le marché, on est toujours influencé par ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut acheter? Qu'est-ce qu'on veut? On va acheter quelque chose qui n'est pas de l'ordre, je dirais, du masque africain, mais qui rappelle quelque chose de ça. Les gens, ils ont des attentes par rapport à ça. Ils veulent quelque chose qui rattache à ce continent. Le continent, il est tellement complexe, il est varié, il est tellement que réellement, on ne peut pas l'attacher à une seule vision qui est dans l'éducation, qui est dans le système, dans les médias, dans beaucoup de choses. Donc comment peut-on se débarrasser de tous ces préjugés et regarder l'Afrique autrement? On est toujours en lutte permanente. De réellement de dépasser ce cadre et nous ramène toujours à ça. Et je pense parce que le passé qu'on a eu avec la France jusqu'à maintenant, je pense que la France, elle a toujours un problème. En fait, la France n'a pas encore digéré ce passé. Et elle n'arrive pas à dépasser ça a dépassé ce c'est toujours la grande empire, l'empire colonial, l'empire. Donc il y a une manière de nous regarder qui est un peu réductrice. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit ça me rappelle l'Afrique. Mais c'est l'Afrique. Ça ressemble à l'Afrique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont chercher la photo qui colle à leur image de l'Afrique. Oui, c'est pas assez africain. C'est pas assez. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, africain. J'ai pas compris. Moi, j'aimerais bien comprendre. Il y avait une présentation à l'Institut du monde arabe. Et la personne qui présente les artistes, elle dit il est d'origine marocain, il est d'origine tunisienne. Mais pourquoi dire ça? Il est tunisien. C'est comme si. Et tout le monde me pose la question, vous êtes de quelle origine? Non, mais je suis tunisienne, je ne suis pas française d'origine. Même ça devient un jeu pervers, c'est-à-dire que je le revendique d'une manière très forte. Non, non, je suis tunisienne. Il faut que le regard soit autre, quoi. Et la preuve que la jeune génération qui a 30 ans maintenant, leur influence n'est pas seulement française. Elle est autre, elle est très diverse. Il y a par exemple un festival magnifique qui s'appelle Dream City. Les directeurs artistiques, ils ont fait un choix magnifique où réellement ils vont ramener tous les gens de n'importe quel horizon et réellement ils vont travailler sur une thématique qui n'a rien à voir avec la...
le seul point commun, c'est la rue, c'est l'intervention de l'artiste dans la rue, quel que soit par la danse, par la musique, ou par la vidéo, la photographie, ou tout ça. Et donc, ils sont en train de tisser, enfin, l'art de la rue qui tisse un art citoyen qui va tisser des liens avec les gens de la Médina de Tunis. Et ça, c'est là où on voit qu'il y a des choses que nos préoccupations, et c'est pas la question, vous venez d'où? Donc on est africain, arabe, maghrébin, méditerranéen aussi, nord-sud. Ça aussi, c'est notre... On a toujours besoin de ça. Et si on renverse la carte, si la carte elle est comme ça, qu'est-ce que ça va devenir? Il y a aussi l'expérience de l'Est par rapport à l'Est. Ben moi, pour les Japonais, je suis l'Ouest. Je ne suis pas l'Orient. Ça dépend où tu te poses, en fait. C'est... Moi qui ai cru tout le temps que je suis nord-africaine, ou peut-être sud, ou peut-être orientale, et j'arrive au Japon, et ça, soudain, je deviens Ouest. Waouh! Je suis comme l'Européen. Je suis l'Ouest. Occident. Après, bien sûr, après le 11 septembre, je suis devenue musulmane. Les institutions, en tout cas, ils ont besoin toujours de vous raccrocher à quelque chose. Ça permet une certaine visibilité, certes, oui. Mais je me demande toujours qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? La personne qui s'intéresse, qu'est-ce qu'elle va chercher? Son Afrique à elle, peut-être. Il faut dire les choses. Ça fait plus exotique, ça fait plus... je ne sais pas, peut-être ça fait plus... on a besoin de références, on a besoin de cadres, on a besoin de se rassurer. Il y a des intérêts, maintenant on s'intéresse sur la question, je prends l'immigration, peut-être la femme, ou bien un pays, ou bien une région, ou bien... Et ça fait qu'il y a de l'argent autour de ça, moi je vois, et donc ça... Alors, finalement, c'est une mode. Moi, de toute façon, je dis toujours, moi je fais mon travail. Et si ça rentre dans ce cadre-là, ça rentre. Mais moi, je ne vais pas changer mon travail, parce que ça rentre pas, ça rentre. Et ça, c'est très, 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 comment dire, ça, c'est un piège, en fait. Parce que déjà, on a les dates limites, on a les expos collectifs, c'est un piège. Donc, il faut faire attention. C'est-à-dire que moi, j'ai un concept, j'ai du travail, et je ne dirais pas qu'il faut adapter, mais parfois, il faut être intelligent pour le faire rentrer dans ce cadre-là, d'une manière qui me ressemble. Par exemple, la résidence du Canada, c'était une résidence sur la narration. Quand j'ai vu l'appel à la candidature, j'ai un projet qui peut rentrer dans ce... Parce que la narration, c'est vaste. En fait, ce n'est qu'un prétexte, finalement, les titres des expos. Après, ça dépend de la richesse de l'œuvre. Et donc, je me suis dit, ça pourrait rentrer. Moi, je le fais. Et puis, bingo, je l'ai eu. Et j'ai pu travailler, parce qu'il y a toujours 36 000 manières de raconter quelque chose. Donc, ça rentre, et tant mieux que le sujet est vaste. Et là, j'ai pu travailler, c'est-à-dire avancer dans le projet de les patrons de ma mère. Après, la résidence, par exemple, à Kerkena, que j'ai fait l'année dernière, c'est une résidence humaine pour moi. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'était pas de créer, mais c'était de revenir dans mon pays, d'aller vers les gens, parce qu'on est dans notre studio, on bosse d'une autre manière. Quand on va vers les gens, on a une autre façon d'approcher les gens. Et c'est toujours ces questions de distance. Quelle distance tu as avec ton interlocuteur? Comment l'approcher? Tu sors de ta zone de confort qui est l'atelier, qui est le studio, qui est le travailler sur des projets où réellement tu es dans un cadre. Et là, tu vas aller vers une expérience humaine où réellement il faut arriver avec une certaine fraîcheur, je pense. Et des questions. En fait, tout ce que je fais, c'est un travail d'archéologie à la fin. Un archéologue, il fouille. Et nous, les artistes, en fait, on fouille. On fouille dans la mémoire, on fouille dans les livres, on fouille dans l'archive, on fouille dans les objets. On fait un travail de recherche, on est comme ça. Enfin, il y a de la poussière. Je prends l'exemple de « Nobody will talk about us »,« Personne ne parlera de nous ». En fait, c'est la rencontre d'un livre d'abord. Le livre de Jean Devigneau, « Chebika », qui parle du sud-ouest tunisien, qui parle d'un village. Et c'est un travail, c'est vraiment une étude sociologique basée sur
le vécu des gens. Donc, il a vécu avec ces gens-là, avec un groupe d'étudiants, et donc il a écrit un livre après, suite à ça. Et je trouvais ça, le livre, donc je l'ai eu dans mes études que j'ai fait, et donc je l'ai lu. Puis après, je suis allée dans cette région-là, et ça m'a intéressée. Et c'est resté dans moi. Ça, c'est des années même avant que je parte au Japon, c'est-à-dire. Et un jour, on se dit, on fait des voyages, on se déplace, il y a toujours ce livre-là qui est toujours là. Et qui va revenir. Et à certains moments, j'ai pensé à un chapitre qui s'appelle « La queue du poisson ». Nous sommes la queue du poisson. We are the tail of the fish. Waouh ! C'est comme ça, la question de l'oubli. Et ça, on est hanté par ça, parce que le sud-ouest tunisien, il y a la question de le délaisser. Le sud-ouest ou d'autres régions aussi dans la Tunisie, c'est complètement délaissé par le pouvoir avant l'indépendance et après. Ça veut dire que réellement, il y a tellement de richesses. Alors, ce chapitre-là et ce mot-là, je reviens sur ce livre-là. Après, je fais le voyage, je fais des repérages. Et après, je ne sais pas, il y a toujours cette question de l'oubli. Et puis après, j'ai imaginé un corps au milieu de ces paysages-là. Et ce corps-là, c'est comme ça que le projet, il a... C'est-à-dire, il y a quelque chose, un élément, qui... ce corps, cet enfermement. Et après, je reviens avec le corps, le corps, une personne qui accepte de faire le projet, et puis après, on fait des choses. Puis après, il y a les gens qui arrivent. Je ne m'y attendais pas, il y a les gens qui ont approché ce corps. Et puis après, je l'ai intégré, les gens, et c'est devenu... Donc, je ne peux rien contrôler. Le processus de création... Enfin, pour moi, je ne peux pas le contrôler. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment ça va être. J'ai de la matière, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va être à la fin. Le projet, en fait, comme j'ai dit au début, c'était d'abord elle, puis après ses mains, puis après ses objets. Toujours obsédée par les mains de ma mère, par son geste, par sa... Et donc, j'ai commencé d'abord un travail de deuil par rapport à mon père. Et donc, j'ai commencé... C'est à travers la photographie de ma mère que j'ai fait le travail de deuil. Et après, c'est devenu un rituel au cours des années de la photographier comme ça, toujours dans la même chambre, même lumière, plus ou moins, et tout ça, le matin. Après, photographier ses objets dans la chambre. Après, photographier des objets de mon père dans la chambre. Et après, elle commence à parler. « Ah, je vais filmer. » Et après, il y a les patrons qui arrivent. C'est son métier. « Ah, c'est cet angle-là, peut-être, qui est intéressant. » Et là, je vais creuser. Donc, parfois, je m'approche beaucoup d'elle. Donc, je deviens sa fille. Et parfois, j'ai cette distance-là pour voir autre chose. En fait, je commence par une histoire d'une femme qui peut être la femme d'une dame, qui peut être la mère de quelqu'un d'autre et qui est née en 1929. Qui a maintenant 88 ans et qui n'a pas fait des études, qui a connu la Tunisie coloniale et la Tunisie de l'indépendance, la Tunisie aussi des années 70. Toute cette Tunisie, elle a connu jusqu'à la révolution tunisienne, elle a connu tout ça. Donc, c'est intéressant de raconter ça, mais à ma manière, à travers son aussi les choses qu'elle peut raconter. Donc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a toujours travaillé, c'est une couturière. Moi qui est obsédée par ses mains, par sa façon. Donc, on à travers ça, à travers les patrons, à travers, il y a un va-et-vient entre l'histoire de la Tunisie, enfin l'histoire de la Tunisie, pas, je ne vais pas raconter l'histoire, ce n'est pas mon métier, mais c'est-à-dire à travers son vécu à elle, elle raconte quelque chose. Elle raconte quelque chose de la Tunisie des années 30, de Tunisie de l'indépendance, la Tunisie après l'indépendance, et tout ça à travers son vécu, parce que c'est une femme simple. C'est une femme qui a mère de 5 enfants, une femme qui a suivi son mari dans plusieurs villes. Mon père était instite et donc elle va raconter sa vie. Mais c'est à travers ce regard intime et ce regard un peu donc poser des questions et c'est un va-et-vient. Ça peut être un hommage à elle, oui, ça c'est sûr, il faut le dire aussi. Donc il y a ce parti personnel qui m'est importante, mais aussi il y a cette partie aussi que je ramène tout ça à l'extérieur pour dire autre chose. C'est pas la photo en soi, c'est pas l'objet, c'est-à-dire c'est le projet. En fait, le projet, comment il va prendre forme, je le sais pas. Mais bien sûr, j'ai une démarche de photographe, oui. Ça reste ancré en moi. Et donc, ça, oui. Mais après, la forme qu'elle va prendre,
Je ne sais pas. Elle peut aller au-delà d'un cadre photographique et elle peut s'enrichir avec d'autres choses. Un object on the shore, un objet sur le rivage. En fait, à l'origine, c'est que j'ai trouvé de la matière sonore intime et cette manière sonore, je sais ce que c'est et c'est très intime à moi, donc c'est une période de deuil. J'ai trouvé mon père, en écoutant le Coran ces dernières années, enfin la dernière année, il s'est trompé, donc il s'est enregistré. Donc il y a plusieurs, et un jour je voulais écouter le Coran et je tombe sur ça. La respiration de mon père, c'est pas, il pose des questions. Et j'ai déjà travaillé la coupure, qui est un travail de deuil. Je l'ai déjà fait. Mais je tombe sur cette matière-là et j'étais émue parce que je ne m'y attendais pas. Donc j'ai pris cette matière-là, possession, et c'était en 2002, 2003, et je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire avec. Mais il y a quelque chose. Et puis après, j'ai décidé de travailler, mettre des images et du son. Puis après, j'ai enlevé l'image. Et c'est devenu un objet sur le rivage. Et j'ai décontextualisé. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un objet qu'on a trouvé sur un rivage. Je le sors du champ de l'intime pour que ça devienne une enquête qu'on a trouvé cet objet par hasard. L'artiste a trouvé cet objet par hasard. Je mets un texte autour de ça. Un contexte, et que, comme si une boîte noire, on essaie de comprendre d'un avion. Donc, on l'a trouvé par hasard. Je décris, c'est une cassette. J'ai décrit l'objet et on écoute quelque chose pendant 3-4 minutes. Donc j'ai réduit tout ça et je suis arrivée à trouver une installation qui n'a rien à voir avec le début. La photographie, toujours, elle est là. Mais après, je pense que c'est la démarche de photographe qui reste. C'est comme le système que tu prends beaucoup de photos et après la photographie fonctionne en mode de soustraction. Tu enlèves et tu laisses la bonne image. Et puis dans un projet aussi, c'est comme ça. C'est-à-dire que oui, il y a le dispositif, il y a la photo. Puis après, je vais intégrer d'autres choses. Puis après, j'élimine la photo. Et ça peut arriver. The rope. Ça aussi, c'est le jeu de la corde. On tire, chacun y tire de son côté. Alors, j'ai vu des gamins jouer ça, mais on a joué, tout le monde a joué, adultes et tout ça. Et après, j'ai imaginé, je ne sais pas, j'étais en train de, comme ça, j'ai imaginé une partie qui est complètement effacée. Donc, tu tires vers quelque chose que tu ne sais pas, en fait, visuellement. Et j'avais ça. Mais comment l'intégrer? Tu as une image, comment tu vas? Et un jour, avec Simon Jamy, m'a proposé, il m'a dit « Oui, en fait, il y a le projet de Divine Comedy et moi, j'étais dans l'enfer déjà, décidé. Bon, en fait, et on a discuté. Et puis, en fait, j'ai lu Dante. J'ai lu, et Dante, il se retrouve dans une forêt obscure, noire. Alors, noire, obscure. OK. Et si la forêt est full of lights? Elle est pleine de lumière. La lumière, parce que c'est une menace. L'éblouissement, blindness. Tu ne peux pas voir. Ça t'empêche de voir. Trop de lumière, ça empêche de voir. Et puis, petit à petit, la forêt, elle n'est pas noire. Elle est blanche. Et on se perd dans cette blancheur-là. Donc les codes changent. Alors, oui, Divine Comedy, l'Afrique, on revient sur ça. Mais moi, j'ai été habitée par quelque chose qui est cette lumière blanche et par rapport à la photographie. Parce que moi, toujours, je travaille depuis quelques années, d'ailleurs, à partir de, par exemple, le noir, cette poire, le dispositif photographique devient en soi une réflexion sur la photographie et sur l'humain. Et The Rope aussi, cette lumière qui arrive et qui condamne la photo. On a besoin de lumière. La photo, elle a besoin de lumière. Mais trop de lumière efface. Et là, on est dans l'inconnu, on est dans le blindness, dans le glaire, cette éblouissance qui empêche de voir. Comment raconter la chose? Toujours, c'est ça le problème. Toujours pour moi, c'est comment raconter.
Tu peux dire, tout ce que je dis maintenant, je l'ai dit, mais à fort. Alors, comment tu vas apporter cette information en gardant une esthétique? C'est pas que ça soit beau, dans la manière jolie, mignon ou beau. Non, c'est-à-dire que ça va aller au-delà de la surface de ce que je vois. Moi, je ramène un cadre, par exemple, une photo. Je ramène quelque chose, je donne à voir quelque chose. Mais il y a derrière tout ça plusieurs choses. Et là, j'ouvre le cadre pour les personnes, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que pour moi, si la seule... Il faut que quand je regarde toujours, je suis toujours inquiète. Il ne s'agit pas de donner seulement une information, mais ici une inquiétude, une façon de... Il faut que la personne qui regarde bosse. J'ai bossé. Il faut que l'autre bosse aussi. Mais c'est ça, l'art.